Salut tout le monde, c'est Ndouka. Et aujourd'hui, on va faire un petit challenge. On va toutes les deux préparer donc une tête dans un pamplemousse et on va voir celle qui a le meilleur goût, le meilleur ressenti et aussi le plus de fumée du coup. Pour ça, on fumera sur les deux mêmes chichas, donc tout sera vraiment identique pour pouvoir bien juger tout ça. Donc c'est parti. Donc du coup là, on a fini chacune de préparer nos foyers. T'en montres le tien ? Il est quand même vachement plus beau. Bon, le sien est vachement plus beau, mais moi je trouve qu'il est très profond le tien. Genre moi ça va... Moi je pense que ça va être meilleur, on verra. En tout cas, moi pour moi là, je vais fumer du Moscow Never Sleep, donc un mélange de framboise-citron avec un petit reste d'Hawaï, voilà. Et moi, je vais partir sur le tabac de la marque Haters. C'est le shooter, donc ça, c'est Calypso citron vert. Enfin, en gros, glace citron vert. Bon. On a à peu près allumé les chichas. À peu près. À peu près. En tout cas, pour moi, c'est bon pour les moyens. Je tiens à dire qu'elle a eu des galères avec sa préparation. Ouais, il y a... Rien. Non, il y a un peu... Non. Alors, j'explique. Il y a... Quand j'ai posé le caloud, il y a un peu de tabac qui est tombé. Et du coup, ça a bloqué le tirage. Mais c'est bon, c'est réglé. C'est pas de la triche. Toi, alors, au niveau du goût, c'est comment ? Ben, je pensais que ça allait être dégueulasse. Au final, c'est bon. On sent juste un petit peu la menthe de Hawaï. Toi, tu vas pas aimer. Mais c'est vraiment très léger. Moi, je teste. Là, il y a quelques secondes, elle n'était pas trop allumée encore par rapport à toi. Ça allume doucement la mienne. Mais elle est très bonne, moi. La mienne aussi est très bonne. On fait comment maintenant ? Ça va, elle s'allume doucement. Vas-y, fais-moi goûter le tien. Donc, moi, je précise, j'ai mis un peu de tabac noir dedans. Donc. Elle fume bien. Elle est bonne ou pas ? Franchement, ouais, j'avais peur. Enfin, je préfère la mienne, mais franchement, par rapport à l'odeur, parce que ça puait de ouf, ton goût, il puait. Vas-y, fais pas une tête, il est super bon. Refume, dis-moi s'il est super bon, parce que c'est pas non plus... Parce que moi, j'ai moins monté le tabac pour pas... Toi, ça va vite cramer, moi, non. Moi, ça allume doucement, tranquillement. Alors, moi, franchement, honnêtement... Je préfère la mienne. Après, il va falloir départager. Je pense déjà sur la beauté du foyer, enfin sur l'aspect esthétique du foyer. On peut dire que c'est Lily qui gagne. Moi, je te mets une note de 8 sur 10 sur ton foyer. Oh, merci. Si je devais en juger qu'avec les cure-dents, je te mets 4. Ok. Tiens, je te laisse noter mon goût. Ah, ton goût, ouais. Et moi, je vais noter le tien. Je te mets 8 parce que je sais qu'il est bon, mais moi j'aime pas trop. Je te mets 8 aussi. Oh. Non, mais vraiment, parce qu'il est, il est bon, mais je pourrais pas fumer ça. Genre, si je vais dans un bar, je prendrais pas un citron pareil. Enfin, après, c'est une glace au citron, mais je trouve que le citron est très acide. Donc, on est très serré au niveau des notes. Je pense qu'en vrai, on a fait des préparations un peu équitables. Toi, elle fume mieux quand même. Moi, mais parce que t'as, regarde, elle, ton foyer, il fume. Hein. Parce que t'as monté beaucoup plus le tabac que moi. Mais c'est tout l'enjeu de la prépa, hein. Je l'ai montée. Tu l'as montée, mais elle va cramer plus que la mienne. Non, mais d'accord. Si tu veux, on reste là pendant une demi-heure et on fume, hein. C'est pas de souci. Hein. Moi, je te dis, au bout d'un moment, si ça crame un peu, j'enlève un charbon, je lève le caloud et ça repart très bien. Hein. Okay, moi, elle crame pas pour le moment. On va dire que pour ces préparations, on se complète un peu dans le sens où son foyer est plus beau et mieux préparé que le mien, on va dire. Le mien fume plus. Et au niveau du goût, elle, ça sentait meilleur que le goût. Et moi, ça a pué. Mais là, c'est super bon, clairement. Donc moi, je rappelle, c'était framboise-citron, un mélange de tabac noir avec un mélange de tabac rouge Hawaï, du coup. Après, j'ai mis 20%, enfin, non, j'ai mis 10% d'Hawaï. Et le reste, c'est que le Azure Black Moscow Never Sleep. Donc voilà, je le conseille d'ailleurs, il est super bon. Ouais, c'est vrai, j'aime pas trop le azur, mais celui-là. Là, vas-y, est bon. Vas-y, refume, parce que franchement, elle est bonne, ma prépa.
Toi, tu vas pas aimer le citron comme ça. Après, on ressent très bien le goût de l'odeur du tabac. Donc, en soi, ton tabac, enfin, en soi, ton foyer est bien préparé. Donc, en vrai, c'est équivalent. Donc, après, vous, dites-nous ce que vous aurez préféré fumer. Est-ce que vous aurez préféré fumer citron sur la tête pamplemousse ou framboise-citron Hawaï? Calipo-citron. Calipo-citron pour elle et moi, framboise-citron Hawaï. Sachant qu'il est vraiment vraiment très bon et que ça fume mieux qu'elle. Et en plus, ça crame pas. Et ça fume mieux. Ça va, ça fume un peu plus, moi, là. Bon, du coup, la vidéo touche à sa fin. Dites-nous quelle préparation vous avez plus kiffé, si vous préfériez fumer sur la chicha de Lily ou la mienne. En tout cas, moi, je préfère fumer sur la mienne et toi sur la tienne. Donc voilà. En tout cas, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, le concept aussi. Et Et... pour tous ceux qui sont tombés sur cette vidéo en premier, ben y a le... on a posté juste avant le tuto, vraiment que tuto, pour faire une prépa pamplemousse. Voilà, ben, à très bientôt et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et aussi de venir sur Insta, très important. Ciao, ciao!